Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avouez-le, vous attendiez pas à ce que je fasse ce match Agen-Perpignan. Deux équipes qui vont sans doute batailler pour ne pas reléguer. Peut-être que ça sera les deux équipes qui vont reléguer. Peut-être que ces deux-là vont s'en sortir, même si il y a des chances qu'il y en ait au moins une des deux qui tombe. Hein. On imagine mal autrement. Agen-Perpignan, on va jouer avec Perpignan qui est noté avec, pour, avec 4,6 points de moins, c'est exactement. Donc voilà. On va jouer avec les vrais. Ouais, moi je préfère ces couleurs de Perpignan. Je sais pas ce que vous en pensez. Et Agen, c'est plutôt en blanc. Moi j'aime bien. Enfin, ouais, ils mettent que c'est ça le maillot principal. Ouais. Mettre le maillot principal. Nous c'est le maillot alternatif, mais j'aime bien. Je préfère le maillot alternatif de Perpi. On va jouer au Twickenham Stoop en plus. La classe. Au stade des Harlequins. Harlequins, bah, d'ailleurs, Agen, je crois, ira au Harlequins pour la petite Coupe d'Europe. Et les Harlequins iront à Agen. Ce sera peut-être un match que j'irai voir d'ailleurs à Agen. Ben on y va. Allez, donc Agen, Perpi, deux équipes qui ont perdu, qui se sont pris toutes les deux des fessées. Mais bon, en fait, il y en a une. Les Agenais, ok, ils se sont pris une fessée, mais c'était à Clermont, voilà. Et ils ont très bien tenu pendant une première mi-temps, donc il y a du positif. Du côté de Perpi, c'est dur. Hein, la rentrée, la reprise en top 14 à Aimé Giral, et tu te prends une fessée face à un stade français qui avait fini 12e. L'année passée. Bon, ben voilà, tu te poses des questions, c'est évident. David Mellet, Paddy Jackson, la charnière, on l'attend, mais je crois malheureusement que David Mellet, il est blessé et qu'il joue pas les premiers matchs avec Perpi. Mais bon, voilà. On va essayer, en tout cas, nous, de bien jouer de notre côté. Putain, on va mettre. J'avais oublié dans les autres. On va mettre la caméra. Comment on fait? Aide et options. Écran, caméra et visuel. Comme je sais qu'il y en a qui aiment bien l'une, d'autres. Ouais. On va mettre la caméra de côté et voilà. Ça. Alors là, il va falloir que je m'habitue à jouer, ça va pas forcément être simple. Donc, ben, Agen est pas favori sur ce match plus que ça, mais un peu quand même. Ben, le fait de jouer à domicile, tu restes quand même favori. Puis vraiment, ils ont montré une première mi-temps assez solide à Agen. Alors bon, je pense que clairement ils étaient un peu à côté du match, ils sont passés à côté de leur match en première mi-temps, ce qui a entraîné ça. Allez, oh, avec David Mellet, on est allé. Ouh, mais on a pris très très cher dans ce ruck. Et on va essayer de se concentrer, essayer de jouer correctement avec cette caméra, ce qui n'est pas gagné. Allez, non, on récupérera pas. Ouais, je demande à voir moi ce que ça va donner les équipes, les petites équipes, si elles vont pouvoir poser souci. Je pensais à la vidéo que j'ai faite de Grenoble Toulouse. Est-ce que Grenoble va réussir à poser souci? Là, en tout cas, c'est un affrontement direct entre deux petites équipes. Donc forcément, il y a une attente. Et voilà, et s'il y a une équipe qui perd, sans ramener même pas un bonus défensif, et alors si en plus t'as un bonus offensif pour votre équipe dans ce match, admettons le plus probable, parce qu'on n'imagine pas qu'à l'extérieur on fasse ça, donc une victoire bonifiée de Agen, bonifiée, donc un bonus offensif face à Perpi ce week-end, et donc Perpi qui remettrait encore 0 points, bon mais là... Ça mettrait un gros coup déjà d'entrée, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il faut se méfier, faut pas se laisser décrocher de suite. Oh, hop, là, c'est marrant avec cette caméra, c'est perturbant, hein, c'est perturbant, faut s'habituer. Alors c'est vraiment immersif, je trouve ça très sympa. Avantage, mais c'est pourquoi ils sont allés hors jeu nos équipiers, mais moi je voulais pas les mettre hors jeu. Bon, ça va, l'avantage est passé, j'ai l'impression, je pense. Avantage terminé. Bah là il est terminé. Et en plus il est direct en touche. Alors là, là t'es deck parce que l'avantage il est terminé. L'arbitre il dit ouais c'est bon. Et puis en fait t'as fait un coup de pied direct en touche. Donc bon. Là t'es un peu deck clairement. Allez, mêlée. Boum, on est arrêté de suite. Bon dans les rucks on peut rien faire là avec Perpi. Hein. Je crois que les matchs il va être compliqué quand on jouera avec Perpi. Parce que dans les rucks. On ne peut strictement rien faire, je pense que vous l'avez compris, vous l'avez ressenti, vous aussi. On a un souci de ce côté-là. Nous verrons bien si on arrive à se mobiliser. Allez, mets les... Petit coup de pied par-dessus.
Boum. Ouais, mais attention. On est dans notre camp, hein, je rappelle, on est sur nos 40 là. Mais en fait j'ai peur d'aller au contact parce que je sens que les rucks ils sont pas faits pour nous sur ce match. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je vois? Moi je pense une victoire à Genèse, vraiment, et de façon objective, hein, parce que je suis ni pour l'une ni pour l'autre. Alors bon, peut-être une petite préférence pour Agen. Même si Agen n'est pas de ma région, hein, ils sont pas dans la région Occitanie alors que Perpignan est dans notre région, hein, dans notre région Occitanie. Alors que Agen est dans la région de Bordeaux. Mais malgré tout, on se sent du côté de Toulouse un peu plus proche des Agenais, je pense, dans la mentalité. On ne dit rien contre les Catalans, hein. Mais je pense qu'on est plus proche, quand tu es Toulousain, tu es plus proche d'une mentalité agenaise que d'une mentalité catalane. Donc ouais, moi j'aurais une petite préférence pour Agen. Et je pense qu'Agen peut le faire, pour gagner et marquer fort en essayant de ramener un bonus offensif. Ça serait top. Alors, dans un premier pas, faut assurer et aller gagner le match. On est d'accord, les gars. Mais si tu peux gagner d'un bonus offensif, voilà, faut pas se gêner. J'ai envie d'essayer de les jouer là, ces ballons, mais difficile. Allez, on va dire Jackson, on est envoyé chez nous. Ah, il va falloir qu'on joue au pied. On va jouer au pied. Mêlée. Il a l'air d'avoir un bon jeu au pied. Malheureusement, il a fait un en avant en essayant de nous dégager. Et là, on est en danger. On est pris de vitesse. Oh, on est pris par le crochet. Oh, c'est élevé. C'est difficile de défendre avec cet angle de caméra. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et c'est vrai que c'est joli à voir avec cet angle de caméra. Mais pour jouer, c'est vraiment beaucoup plus difficile. En multijoueur, vous ne verrez jamais jouer avec cette caméra. Sauf si j'ai envie de perdre. En multijoueur, on a rarement envie de perdre. Allez, c'est pas grave. Venez, à mon avis, pour cette première mi-temps. On va essayer de marquer avant la fin de la première mi-temps, mais il faudrait récupérer le ballon très vite. Et le problème, c'est que dans les rucks, on est mangé, on est vraiment croqué. Et pour la seconde mi-temps, il va falloir trouver une solution, essayer de trouver comment. Alors, pas gagner des rucks, parce que là, je ne fais pas d'illusion, on va pas les gagner, les rucks. Mais comment gagner assez de mètres et pouvoir faire la diff sans passer par des rucks. Là, il y a très beaucoup de pieds, bon, c'est pas grave, de toute façon, c'était la touche, j'aurais pu trouver une... J'aurais pu taper dans son but, c'était pareil, mais je trouve une belle touche. Ouais, on n'a pas la possession, on n'a pas le territoire. On a, si, on... Non, on n'a pas la possession, mais on a le territoire. Ça tient pas, cette histoire. Le territoire, pour moi, on a joué beaucoup plus dans notre camp, on a été dominé. Enfin, j'avais l'impression, alors... Je me trompe peut-être. Allez. Ah, oh, on se fait... Là, si on se fait manger déjà comme ça... Ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire du tout. Allez, mêlée qui vient plaquer là. Allez, on la récupère pas. Là, je suis deg, là. Vous voyez, on fait avec une équipe à peu près correcte. Là, c'est vrai qu'il était gagné. Lâchez pas. On l'a mis à la faute. On l'a mis à la faute. Ça, c'est bien. On va évidemment frapper en touche avec Paddy Jackson. Le vent avait l'air de pousser vers là. On va essayer de trouver une belle touche. Je crois que le vent pousse, pousse. Allez, allez. Allez, oh là là là, c'est la catastrophe. Quand ça veut pas là. J'avais mal vu le vent, ou je sais pas. En tout cas, coup de pied raté. Touche non trouvée. Alors, on va la récupérer là. Allez, il y a peut-être quelque chose à faire. Là, petit côté. On essaie là. 22 passes. Allez, on conserve la balle. Et là, faut essayer d'envoyer du jeu. Mêlée. Allez, Paddy Jackson. On fixe. On trouve les équipiers. Ah, j'ai essayé de revenir intérieur. Difficile. Ça... Oh là là, on s'est fait direct rater la balle. Mais regardez, ils sont inarrêtables, ces Agenais. C'est quoi ça? Ils ont mangé quoi, sérieusement? Alors, bim, voilà, January qui sera absent un petit moment en début de saison. Alors, je sais pas s'ils peuvent la taper. Allez, en face des poteaux, hein, ils peuvent la tenter à mon avis. Et ouais, ils la tentent. McIntyre. Ça va passer. Aïe 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 aïe. 10-0 les gars. Ça fait mal. On n'y arrive pas. Alors la caméra n'aide pas. Hein. Je peux vous assurer que le fait que je sois avec cette caméra n'aide pas. Mais faut pas remettre tout en cause à cause de la caméra. Mais pour défendre là, je suis un peu pris. Allez.
Allez. Oh là là, on revient. On revient juste à temps, voilà. Non, on la récupère pas. Allez, 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 allez. On tourne la mêlée, c'est bien. Voilà, là 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 là, ils nous trouvent des espaces. Des trucs. Alors, nous on arrive à trouver des fois des espaces, mais comme là, vous voyez, eux, ils arrivent à conserver énormément de ballons dans les rucks. Alors que nous, oh, il a marqué. J'ai cru qu'on allait pouvoir le sortir, le mettre en ballon mort, mais non, absolument pas. Et Agen marque son deuxième essai. Alors, ils sont pas encore dans le bonus offensif, mais ils peuvent le faire. Et là, je suis deg, là, vous allez voir. Je pense que quand j'ai cru qu'en le plaquant là, je pouvais le sortir. Ouais, pour moi, il a pâti pas, là. Pour moi, l'essai doit pas être accepté, là, mais bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Et 17-0, voilà. Le match est perdu. Alors, quel peut être l'objectif, hein? Même le bonus défensif, je vois pas comment aller le chercher. Déjà, ne pas leur donner un bonus offensif. Alors, comment ne pas leur donner un bonus offensif? Ben, en tout cas, ne pas concéder de nouvel essai. Pourquoi pas nous en mettre un? Lâcher. Pour sauver l'honneur, aller mettre un essai. Mais ouais, on s'est fait trop bouffer dans les racks. Absolument rien faire. Attention. Oh là là, Strokosh qui est pris de vitesse. Non mais on peut rien faire. Et les Agenais qui vont aller mettre le troisième essai synonyme de bonus offensif. Ça pique, hein. Ouh, ça pique. Là, là, mais c'est Strokosh, regardez. On est pris de vitesse. Là, notre ailier, il se fait croquer. Croquer. Et après, notre 15, ben là... fait avoir tout seul, hein. Moi je suis avec avec mon trélier, je suis concentré avec mon trélier. Oh, ce raclé, c'est rare, hein, des raclés pareils que je me souviens. Ça pique, ça pique, ça pique, les gars. Voilà, oh, ne vous inquiétez pas, hein, monsieur les Catalans, messieurs les Perpignanais, je reprendrai Perpignan, je les jouerai avec la bonne caméra, la caméra avec laquelle je joue le mieux. Je vais essayer de... Voilà. Et pas touché, oh. On commence à s'énerver du côté perpignanais. On envoie des bons plaquages, des coups de la corde à linge, comme on dit. Il va pas trouver la touche. Ah, on la met en touche. Enfin, on l'attrape, au moins on l'attrape, on pose le pied en touche, malheureusement. On était pas loin d'empêcher ça. Dommage. Ah, j'ai cru qu'on allait encore une fois. Oh, c'est le match catastrophe, hein. Alors, est-ce qu'on peut encore leur mettre un essai pour empêcher le bonus défensif? Ça serait la motivation principale de Perpignan dans ce genre de match. Mais pour ça, il faudrait pas encaisser un quatrième essai qui plierait pour de bon. Non, il y a eu un avant. On va évidemment, on a l'avantage. On va tenter la relance de notre en but. On n'a pas peur. Allez, elle est belle, la passe. Allez. Ouah, on se fait gratter là-bas. Il va revenir à la mêlée. Flexion. Mêlée. Que ça a été dur, ce match, c'est terrible. Je... On peut pas mettre tout sur la caméra. Ok, la caméra ne m'a pas aidé, mais il y a le fait d'avoir gagné quasiment aucun ruck, qui est terrible. Vous imaginez bien, dans le rugby moderne, c'était pas capable de gagner des rucks. Allez, Paddy Jackson, voilà, on est renvoyé chez nous. On va le jouer jusqu'au bout, hein, parce que de toute façon, on n'a rien à perdre. Non, 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 non. Allez, oh, on l'a ramassé. Ils auraient pu. Ils pouvaient aller à l'essai. On s'est fait gratter la balle. Il retape en douche. Non, n'aplatis pas. Boulet. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Et nous, on perd le match 24-0. C'était une catastrophe. Ça fait mal, hein. Bon, on a gagné les deux matchs précédents. Hein, rappelez-vous, hein, ce qu'on a joué avec les Tigers face à Exeter et les... Et les Grenoblois face aux Toulousains, bon, mais là on perd. Et on perd grassement. Aïe aïe aïe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. On aura fait beaucoup de blabla tout de même. Moi je parie sur une victoire à Genèse. Peut-être pas avec le bonus offensif tout de même. Je pense que Perpignan leur empêchera. Et Perpignan peut. Peut-être, je suis pas sûr. Hein. Je demande à voir encore Perpignan. Tu sens qu'il y a encore des manques d'automatisme. Hein. C'est le fait de. Être nouveau arrivant en top 14, beaucoup de recrues, c'est un nouveau collectif, etc. Donc c'est pas facile, le début de saison. Mais
peut-être amener un bonus défensif. Peut-être, c'est pas sûr, ça sera pas facile. Moi je pense, ma prédiction, c'est qu'il n'y aura pas de bonus, ni offensif ni défensif sur ce match. Victoire à Genèse avec aucun bonus. Voilà, ça c'est ce que je vois arriver. On verra si je me trompe. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Profitez bien, amusez-vous de regarder la première chip et le top 14 ce week-end. Et puis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye, ciao.